Tu te sens enfin prêt à quitter la crypte? La sortie t'attend au bout du couloir. Pour déverrouiller l'accès, tu dois te munir d'une pierre runique et la déposer dans la main dorée que tu trouveras près de l'embrasure de la porte. Tu trouveras des flacons de vie partout dans Galomère. Ils contiennent la même magie que celle qui t'a éveillé de ton long sommeil, et ils peuvent te ramener à nouveau à la vie. Quand tu vois que ta santé est basse, utilise un flacon pour te requinquer un peu. Et surtout, n'oublie pas de le remplir dès que tu peux. J'imagine que tu te sens un peu rouillé après ces 100 ans de repos forcé. Va donc faire un tour dans la crypte pour te dégourdir les os et renouer avec la vie. Certaines armes sont empreintes de pouvoir et de capacités extraordinaires. N'oublie pas de tester chaque arme afin de découvrir sa capacité secondaire. Certaines capacités sont à effet immédiat. Mais d'autres peuvent avoir besoin de temps pour se recharger et atteindre tout leur potentiel. Au cours de tes pérégrinations à travers Galomère, tu amasseras de nombreux objets. Pour y jeter un œil ou en utiliser un, ouvre ton inventaire. Tu y trouveras également le grand livre de Galomère, qui répertorie tous les habitants que tu as pu rencontrer et qui octroie un savoir précieux, comme seule une voix désincarnée est en mesure de le faire. Notre sac d'os ambulant revenu.